Et bonjour à tous, c'est Nicoco, bienvenue sur Moonlighter, jeu, je pense, indépendant, hein. De toute façon, quand c'est du pixelisé, c'est toujours indépendant, ouais, quasiment tout le temps, voilà, on peut dire, hein, c'est des jeux magnifiques à petit budget, sûrement, voilà, là, ils vont me dire, mais tiens fou de dire ça, je m'en bats les couilles, voilà, j'aime pas les jeux pixelisés à la base, non mais oh. Et qu'est-ce que je voulais dire, bah oui. Alors je sais pas si le son de la musique est super fort, et je suis quasi sûr que c'est fort, mais je peux pas aller plus bas, voilà, j'ai baissé le son, vous allez voir. Alors ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de jouer avec le clavier et pas avec la souris, ça montre bien que c'est un jeu, voilà, indépendant, hein, voilà. Enfin, le son est au plus bas, voilà, je peux pas faire mieux, donc on verra bien, on verra ce que ça va donner, voilà, on va, vous allez voir ce jeu, pas joué encore, j'ai jamais joué, j'ai regardé quelqu'un y jouer, c'est ça qui m'a motivé, parce que j'hésitais à tester ce jeu, et ça m'a motivé à y jouer, donc ça me dit bien que ça a l'air quand même intéressant. Alors moi qui aime pas les jeux pixelisés, voilà. Alors c'est parti, nouvelle partie, un placement normal, oui, et non, moi je fais normal parce que je connais pas le jeu. Je vous laisse découvrir le jeu en même temps que moi. J'espère que ça vous plaira. Parmi les étoiles dans l'espace infini existe un monde ancestral. Waouh! Une nuit, des labyrinthes renferment des trésors extraordinaires et terribles créatures apparaissent. On les appela des donjons. D'étranges ruines en transformation permanente. Et ils sont pas chiés, quoi. Un village se forma bientôt à proximité, ressemble à ceux qui veulent aller dans les donjons. Parmi ceux-ci, deux groupes se distinguent, les héros et les marchands, la gloire et la richesse. Mais les donjons se révèlent trop dangereux après avoir causé la perte de nombreux aventuriers. Oh yeah. Il fut donc fermé la vie au village, qui est bon, je sais pas plus lire. Du vieux magasin de Moonlighter qui a rêvé depuis longtemps d'ouvrir le cinquième port de donjon. D'accord, ok. Oui, continuez. Voilà. On va dire ça. Ouais, c'est un peu le bordel. Alors, en gros, pour me déplacer, ce truc de base, j'ai réussi à mettre ZQSD pour me déplacer. Et après, pour les attaques, c'est JKLI, ouais, je crois. Donc, on verra bien ce que ça donne. Oh, vous voyez, c'est vraiment pixel, mais c'est pas trop mal. Ouais. Ça fait un peu comme si on jouait à Pokémon. Je sais pas. Bon, Game Boy Advance, ouais. C'est un peu color. Ouais, color. Ouais. C'est pas mal, on casse tout. Bonjour. Alors JK, c'est pour le... Il a un balai en gros, il va attaquer avec le balai. Regardez ce que ça donne. Voilà, c'est roulade. Roulade, j'ai fait une roulade. Roulade et j'attaque. Roulade. La roulade. Roulade. Ah ouais, la roulade, ça sert pour sauter. Roulade. Oh, c'est gros saut quand même. Pas peur, hein. Et roulade. Ah ouais, d'accord. Ah mais direct, quoi. On recommence. Oh les, ouais, il fallait vraiment être prêt. Roulade. Alors là, c'est. Ouya. C'est sale tout ça là. Il faut tout nettoyer. Moi, aïe. Fait mal, c'est bien. Oula, putain, ça fait très. Ça ressemble un peu à comment il s'appelle. Je suis soigné, c'est ça. On va en prendre une, on s'en fout. C'est pour le tacticiel. Alors, lui, il faut le buter, je suppose qu'il a les clés. K. Oh ouais, d'accord.
Aïe 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 aïe. Oh, tchou. Allez. J. Ok, je sais pas comment j'ai fait, mais Z tout déplacer rapidement, trier, elle retourne. Attention. Bon, calme-toi, calme-toi. Z, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Échappe, c'est bien aussi. On casse tout, évidemment. Oh là, il y a du monde. Comment on se soigne déjà? Bon ben voilà. Voilà. On vous inquiétez pas, j'ai vu que c'était dans le truc du didacticiel. Voilà, on n'est pas vraiment mort. On est juste blessé. Voilà, on sort. On dirait qu'on sort de trou de balle. Oui, effectivement, c'est un trou de balle. C'est dégueulasse. Allez papy. Ah, cette tortue géniale. Le pauvre enfant. Seul au monde. Repose-toi, Will. Je vais m'occuper de toi. Je fais bien le vieux. Non, j'en sais rien. Bon. Chargement. Waouh. Oh putain, il marche lentement. Oh putain, qu'il est lent. Il fait bien le vieux quand même. Il fait super bien le rôle du vieux. Tu étais intéressé par les donjons avant même de savoir marcher. Aucun doute. Tu es aussi têtu que le vieux putain. Pète. Bonjour mon garçon. Notre petit marchand a eu les yeux plus gros que le monde. Écoute-moi. Je vais te donner la vérité. Je suis ton papy. Tu es le dernier descendant de ta famille. T'es qu'une merde tout seul. Seul à pouvoir t'occuper des Moonlighters. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est absurde de risquer ta vie pour cette cinquième porte. Laisse tomber. Récupère les artefacts et utilise ton médaillon pour sortir du donjon. Et arrête donc d'utiliser ton balai, espèce de Nico. Ben, j'avoue que hey, il a pas tort. C'est dangereux d'y aller tout seul, prends ça. C'était à moi, c'est pour toi, je m'en sers plus. Une épée, un bouclier. Ok. Ok, merci le jeu. Allez, debout. J'ai plus de foi. Oh. Je vais mourir. Oh. Tu perds du temps dans le magasin. Le magasin ne va pas tourner tout seul. Voyons voir si je peux t'enseigner quelques trucs que j'ai appris de ton grand-père et de ton arrière-grand-père il y a bien longtemps. T'as été vieux, très vieux. Putain, j'aurais pu roupiller au lit. Eh ben non, même dans le jeu, on me demande de me lever, quoi. T'es sous là, avec pas du pognon. Donnez-moi tout, je veux tout. Pour vendre tes marchandises, tu devras maîtriser deux facteurs. Je ne ferai pas de blague sur les facteurs. Tu dois connaître la valeur d'un objet et la demande pour cet objet. Voilà, en gros, c'est ça qui est bien, c'est que t'as le côté combat dans les donjons et le côté où t'es un marchand. T'es marchand le jour. Ah, je baille. Et combattant la nuit. Ah, je suis Batman. Vendre, J. Non, ça. Vendre. Qu'est-ce que je dois faire? Vendre. Maintenir pour ouvrir. Oh. Où tu vas? Okay.
vu ça? C'est la meilleure expression qu'on puisse espérer. Ok. Ok, ok, comme toi. L'objet avec un prix idéal pour le client et pour toi. Fais attention aux expressions des clients. C'est comme ça que ton grand-père savait si ses prix étaient corrects. D'accord. Là, il va pas être content. Là, je sens le mec qui va... trop cher. Voilà, il fait la gueule. Je n'ai pas besoin de te dire que cet objet avait un prix ridicule. Voilà une bonne leçon d'après. Moi, je remonte tous les prix, moi. Pour finir, fais attention à ne pas survendre l'objet lendemain. Si tu y montes le marché, tu devras baisser les prix de cet objet. Un objet en demande et il y a un peu de stock se va voir. Dans ton cahier de marchand, il devrait y avoir les informations. D'accord. D'accord, papy. Oui. Voilà. Et après. Oui. On dirait que le soleil est terminé sa journée. Je vais rentrer, tu vas te débrouiller très bien tout seul. Redonner sa superbe au magasin, c'est ta responsabilité. C'est dans ton sang, Will. Rends-nous fiers. Va travailler pendant que je vais dormir, feignasse. Attends, pourquoi tu n'irais pas essayer la nouvelle épée? Les donjons sont dangereux, la nuit. Mais tu y trouveras le meilleur artefact. Fais attention. Eh ben, allez, trop profondeur. Et utilise le médaillon, mon garçon. Motherfucker, bitch. Sauvegarde. Ouh, il va faire tout noir. Vas-y, maintenant, mes vieux os, se repose. Oh, trop bien! Le bouclier avec le K. Y'a pas qui fait ça. Ok. Ok, ok. W. Ah, W, j'ai toujours mon balai. Oh, attention. Alors, où est le donjon de level? Où est mon donjon? C'est là? C'est là. Donjon de golem. Pour les marchands, pour les héros. D'accord. Donjon la forêt. Donjon pour les héros. Or commandé pour les marchands. D'accord. Allez. J'y retourne. Et comment j'utilise mon médaillon, quoi? C'est ça le problème. C'est bien beau, papy, mais... Donjon de golem. Eh ben nous, on va aller là. Hop, pas tout droit. Mais y'a rien. Ok. Voilà. On va aller là. Alors... Oh, l'esquive. Aïe. Oh, c'est bon ça. Ah, alors il y a trois passages. Par contre, je vais me reprendre de la potion si j'en ai une. Je sais pas comment je fais pour le fameux médaillon. Pour partir en arrière, on va voir ce que ça donne. Oh, t'es sérieux là? Eh oui. Ouf.
À quiconque trouvera ce message, mon temps est compté. J'ai été blessé par la créature étrange qui se trouve de l'autre côté. Le combat est quasiment brisé, a brisé mon médaillon, mais je m'en tire mieux qu'elle. Elle a vraiment souffert, elle m'a surpris alors que je l'observais près de la salle des gardiens. Elle a laissé tomber quelques objets en s'enfuyant. L'un de ces objets est une espèce de carte, mon schéma. Quoi qu'il en soit, j'avais raison. On me traitait de fou, on disait que... Putain, mais oh, il a le temps de tout écrire, lui. J'avais perdu la boule, mais j'avais raison. Chaque gardien de jour doit avoir une sorte de clé. Elles sont toutes liées à l'énorme porte close qui se trouve dehors. La cinquième porte de Renoka. Renoka! Et là, je ne serai plus là pour le voir sourire, et celui où c'est qui me trouvera désolé pour l'odeur. Le schéma devrait être dans les parages. Je vous en prie, ouvrez la cinquième porte, blablabla. D'accord. Lire. Le chef va me tuer. Je devais tout faire sortir. Maintenant, je dois rattraper la créature qui m'a... Le chef va me... Ok, parfait. Ah, d'accord, ok. Donc, il faut une clé de chaque boss. Je prends. Allez. Elle... Tac, tac. Ah, le L me permet de repartir en arrière. C'est ça? Fuite via le médaillon. Allez en ville. Bah oui. Mais je veux bien aller en ville. Ils ont voulu que j'aille en ville, je me casse. Hein. Ploc. Pour un début, c'est pas trop mal. Par contre, il y a une coupe dégueulasse. Ah, le jeune propriétaire de mon lighter. Il est de retour. Tu as l'air intact, tu as enfin appris à te servir de ce médaillon. Ce n'est pas trop tôt, mon garçon. Qu'est-ce que tu as là? Un schéma des donjons? Où l'ai-je trouvé? Tu as retrouvé le vieux Pit. Oh. Voilà ce qui arrive lorsqu'on s'obstine à vouloir ouvrir cette porte. Oublie-la, Will. Récupère juste les artefacts qu'il faut dans les donjons de Golem. Occupe-toi de Moonlighten. Bien. J'ai vu des annonces intéressantes sur le panneau principal. De nouveaux magasins veulent s'installer pour redynamiser la ville. Visiblement, ils ont besoin d'un petit capital de départ. Quelques nouvelles têtes feraient un bien fou, Renoka. Renoka, je te le dis. D'accord. Allez, hop. Voyons voir. Investissement en ville, si tu veux. 500 pièces, 500 pièces. Ok. Sélectionner retour à l'autre. Lire. Magasin. Entrée. Alors, on voit ça. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas fait ça. 8000. Ah, 7000. Laisse tomber. Fermé. Tac. Ok, ça c'est fait. Et t'es qui toi? J'y parlais. J'ai toujours voulu devenir marchand. Mais je n'ai jamais trouvé de médaillon. La plupart des médaillons ont été trouvés lors de la découverte des donjons. Personne. Ville sacrée. Je viens de la capitale juste pour avoir des amis. C'est pas qu'ils sont à la mode. D'accord, d'accord. Bon, allez, on va au magasin. À mon magasin. Ça se passe maintenant. Est-ce que là... Alors, voyons voir. Du lierre. Ça, c'est quoi? Du tissu, reste d'une fonderie, lierre, machin. Racine, noyau de golem, barre de fer, dent de pierre.
Ok. Tout déplacer, je sais pas comment faire. Autrement. Je sais pas si je le vends. Ah. Ben Z, tout déplacer, je reprends. Bon, je sais pas. Je sais pas, le problème c'est que. Je sais pas si je peux le fabriquer, si ça se vend comme ça. Je n'en sais rien, mon ami. Ouais, c'est deux coffres. J'ai deux coffres. On va y arriver, on va trouver. On va placer. Allez, on va essayer de vendre un truc. Dents de pierre. Placer rapide. Voilà, total. Bon, c'est pas le prix, quoi. Le prix. Comment je fais pour le prix? Prendre rapide, placer. Ouais, allez, on le met à 30. On verra bien. On va pas faire trop cher. Parce que c'est quand même de la truc de base. Du lierre. Allez, une truc de golem, ça, par contre. Je vais en mettre une. Et là, par contre... Je vais mettre juste celle-là. Je vais la mettre à 30. Allez, 50. On verra bien, peut-être j'ai tort. Mais voilà quoi. Oui, ok. Comment je fais maintenant? Pour dormir. Allez. On va voir ce que ça donne, si on nous dit quelque chose. Je teste, hein, on verra bien, peut-être j'ai fait de la merde. Ah, j'ai pas baissé le prix. Ok, c'est cool. Je vais essayer 120, on va voir si ça se vend. Je vais remettre du coup les trucs de golem et je vais le mettre plus cher. Je vais essayer. Je vais essayer à 100. Ça, ils avaient aimé, donc on va le reprendre. Et je vais. Voilà. Juste un pour voir. Allez, on va tester comme ça. On va voir. S'ils aiment pas. Oula. Oh, c'est trop cher ça. Ça aussi est trop cher. Allez, on va y arriver. Donc ça, si je veux, il faudrait que je prenne tout, en fait. Tout ça. Ça, par contre, du coup, je vais baisser. Tac. Voilà, on va faire ça. Ça, par contre. Ça, du coup, on avait mis à 50. Donc ça, c'était pas trop mal. On va augmenter à 180. On les met tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Ça.
ça. Et qu'est-ce qu'il me fait là, placer? Je prends la pile. Ah putain, c'est pas possible, c'est horrible. Voilà. Ça par contre, je pense que ouais, pas plus. Très bien. Sérieux quoi? Ah! Chier ça! Voilà, on mettra 100. Parfait. Là, ils sont contents. Quoi, c'est trop cher encore? Putain. Abusé. Abusé! Moi, je vous le dis, monsieur. Pareil, je baisse, je mets à 6, 7. Voilà. Est-ce qu'on peut leur parler? Ah, elle est contente. Bon, c'est la limite. Bon, il est pas content, mais voilà, ça se vend. Principal. Alors, tac, on va rajouter des trucs. Hein. Pour moi, on voit que ça vend. Mais... On voit ce que ça donne, ça. Ça, je le mets à 5. Non. Voilà. Le tissu, par contre, j'en mets plein. Ça, ça va être à 20, mon gars. Voilà. Je dirais même... 30. Ça, je sais pas ce que c'est, barre de fer. Ça, ça va être plus cher. Ça, mon gars, ça part pas en dessous de 50. Voilà. Après c'est bon, hein. Vous partez. Oh là. Oh là, mon gars, t'as rien. Ah, c'est trop cher pour toi, ça. C'est trop cher pour lui. Allez. On va baisser les prix. Pas trop mal, hein. Ça je vais les mettre tous. Ça on a vu tout à l'heure, voilà, c'était correct. Reste d'une fonderie. Ça je vais mettre à 10 pièces d'or. Voilà, ça de la meule, je sais pas ce que c'est. Pareil, on va mettre. Ouais. Ça va se coucher quoi, pour la journée. On va faire un tour dehors s'il faut. Ah tu vois, il a pris. Ça le fait chier mais il a pris. Passe. Du coup, pas exagéré non plus, hein. Qu'est-ce que ça prend? J'ai baissé mon prix, est-ce que ça prend? Oh, elle fait chier. Elle a pris. Basse. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je vends ça, et puis après, je me casse. Je pense que les trucs qu'on récupère comme ça, ah mais il est content.
sens que je me suis fait un tour loupé. Un tour loupiné. Allez. J'en ai encore du lien, parfait. Voilà, on va dégager tout ça. Voilà. Et voilà, que du lien. Et après, on va en ville si possible. En espérant refaire un petit donjon. 810 pièces d'or, c'est pas mal. Pas cool les gens. On va y arriver. Alors, c'est pas mal, hein. C'est voilà, c'est un plus donjon. On fait ça à côté. Je suis toujours ravi. Oh, ils abusent. Ah, il le prend. Ouais. Moi, ça me va, moi. Lui, s'il fait la gueule qu'il prend, Prends-le. Ouais, c'est pas grave. Alors, bah écoute, c'est pas trop mal, c'est bien, je suis content. Des fois, je me renseigne, il faut que j'apprenne les techniques pour avoir le plus de pognon possible. Ça serait cool. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Non, ça sauvegarde tout seul, on dirait. Lire, donc... vide. Ah ah! Chapeau de bois, est-ce que tu manques de finesse pour avancer dans les donjons? Des chapeaux de bois pour trouver des potions et des enchantements. Les donjons trop durs, tu en as marre de ces vieilles armes, je peux t'aider avec ces problèmes. Mais oui! Oh, c'est pénible ça. Oui! Vas-y, installe-toi, mon ami. Oh, allez! Impeccable ça. Voilà, c'est bon ça. C'est parfait, c'est génial. Oh, ce jeu me plaît de plus en plus. Bonjour, toi tu dois être lui, celui qui m'a fait venir ici. Je m'appelle André, maître des forgerons. Si tu cherches des armes, la forge de lequel est bien pour ça. Donc ça c'est pour la tête. Ah, voilà. Voilà à quoi ça va servir. D'accord. 4000 quoi. Putain, mais l'enfoiré quoi. Ça me saoule là. Je voulais que ça soit ZDC. Ça, je peux le faire. 4000 pièces d'or. 4000. Ouais, bon, en gros, je m'en branle. Au moins, il me sert à rien. Bon, allez, on va faire un petit donjon de Nullbook. On recommence, hein, on part dans celui-là. Allez, c'est parti. C'est parti. On va défoncer les gens. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce bleu. Ça serait cool. Pour faire plaisir à les cocos. Waouh. Tu as comme ça. Comme ça, tu veux pas. J'aime te battre. J'aime le regard. Par contre, j'ai une potion. Allez.
C'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh, je prends tout, mon ami. Ça, c'est fait. Il y a deux trucs, mais je vais aller là. Pourquoi nos outils disparaissent-ils? Les salles pleines de pierres, pourtant précieuses, restent intactes. Mais celles-ci renferment nos outils les plus rudimentaires. Elles cessent de disparaître. Oh, ça fait du bien. Je reviendrai, mon ami. Hop, 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 hop. Au. Ah ouais. Ah ouais, mais non. Oh putain. Je peux te dire, mon gars. On va aller se soigner, hein. Ah ouais, j'ai dit non, mais faut y aller comme Brouel, hein. Ah, y'a plus. Ça sert plus à rien. Je suis trop sale, en fait. Je sors, c'est ça? J'ai fini le donjon? Ouh là là. Alors, c'est l'un des objets étranges qu'a perdu la créature en fuyant. Celui-ci est tout particulièrement précieux. À chaque fois qu'on y place un objet, il en ressort une certaine quantité d'or. C'est très utile en cas de besoin de l'ingrédient. L'objet ressemble à un miroir, alors je vais simplement l'appeler le miroir. Pas besoin de compliquer la vie. Mais je me demande où peuvent bien aller les objets qu'on y met. Et est-ce que je n'y perds pas un peu au change? Ok. Fais quoi? D'accord, d'accord. En gros, je file directement les objets et ça me vide la vie. Mais c'est génial! C'est génial. Par contre, je vais où? Je vais en bas. Ah, il faut, si tu te loupes, c'est bon. Hop, 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 hop. Voilà, et hop, on attaque comme un bourrin. A chaque fois, je mets 3 heures à vouloir esquiver, etc. Et ça fait strictement rien. Waouh, waouh, waouh. Aïe. Hop, tu pues là. Au revoir. Ah ah. Mais voilà. C'était bien. Allez, en vide. Ah là, là, j'étais mort sinon. On l'a très bien vu. C'était, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. C'était plutôt sympa. Voilà, on voit à peu près le jeu, à quoi ça sert. À quoi ça donne. Vas-y, chercher des jeux dans le genre, alors arrête et tu peux bien visiter The Vendeur, tu trouveras, d'accord, voilà, 5500. Par contre, je veux bien... Ah, mais je suis à 370. Salut la vieille. Ils font partie des attaquants qui viennent, blablabla. Aïe. Entrez. Donc voilà, on va regarder un peu ce que ça vaut, ce petit objet-là. C'est le lien. Mais fais pas chier, mémé. Permet aux marchands de revenir. D'un donjon. Non.
Ah, c'est le cul qui embête. Oh putain, mais je peux pas faire autrement, quoi. Voilà. Comment on fait? Je peux pas poser. Pourquoi je peux pas le mettre? Normalement c'est ça, non? Je peux poser. Bon, je comprends rien. Je sais pas pourquoi il me fait ce coup-là. Si pas grave. Voilà, on fera avec. Bon, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ah, j'ai quoi? Énergie cristallisée, putain, c'est vraiment une épée brisée. Putain, mais c'est des trucs que j'ai récupérés, ça? Vous voyez, je voulais faire à droite avec Q, mais l'autre en haut, il me met Q, comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais régler ça de mon côté, ça sera beaucoup mieux après, voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un magnifique petit pouce bleu. Excusez-moi, j'ai encore baillé. Donc un petit pouce bleu, commentez, likez, abonnez-vous, hein, partagez la vidéo en masse, voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas, voilà. Ou tapez avec votre petit clavier là, et même si vous voulez mettre une merde, une connerie, allez-y, lâchez-vous, quoi. Liberté d'expression, les gars. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nicoco, bye bye.